שבענו והותרנו כדבר אדוני. Taïm et Belivoui Chalaoréach. La mitzvah donc, de l'hospitalité se termine par l'accompagnement de l'invité. On va voir que c'est une notion majeure dans la mitzvah d'Arnasatochim. Vechachamenu ifligu meod be mitzvah talivoui. Et les chachamim ont énormément discuté sur cette mitzvah de raccompagner. Ad shamru, jusqu'à ce qu'ils aient même dit, chez Sahar alivoui en lo shiur, que la récompense de cet accompagnement n'a pas de limite. Veodamrou, ils ont également dit, chez Kol Amelave et Travero, à Filouar Bahamot Bahir, que quiconque raccompagne son prochain, même Arba Amot dans la ville, 4 Amot, Chouvenon Isaac ne connaîtra plus jamais de dommages. Donc, une ségoula. On va développer maintenant ce que ça veut dire. C'est quoi Arba Amot ? C'est sur quoi dans la ville ? Et il ne connaîtra pas de dommages. Midivrei Chachamim Elou, selon les paroles de ces Chachamim, Efshar Lilmod, Sheyeshnam Bemitzvot Livui Haoreach Shnei Tzedadim. Il est possible d'apprendre donc qu'il y a dans cette mitzvah d'accompagner l'invité deux dimensions. Aechad Alpi Avshat, la première selon le sens littéral, Veasheni Alpi Anistar, et la deuxième selon le sens caché. Atzad Apashetuhu, le sens simple, Shebetzem Alivui Mare Ameareach Locho, qu'à travers cet accompagnement, l'hôte montre à son invité chez où est Voto, qu'il l'aime. Vécaché à l'Av Péridato et que la séparation est difficile pour lui. Ubi Miuchad est particulièrement que chez Aoré Arnifrad, au moment où l'invité qui s'en va, ou Belivou Mekanen Hajash, mais que dans son cœur demeure le doute, quel doute, et d'ailleurs il en souffre. Schéma que peut-être Ayal et Torah al-Balabait, il a été une charge, une fatigue pour le maître des lieux. En gros, on va partir, il me dit au revoir, mais je sais que j'ai été un poids plus qu'autre chose. Et c'est quelque chose qui l'attriste. Mais schéma que peut-être Behemet Loratsubo, qui ne voulait pas vraiment de lui finalement. Mais Chacher ou Roué, alors lorsqu'il voit Et Balabait Yotseimo, il voit le maître des lieux sortir avec lui. Ou Melave Oto et l'accompagner. Vous avez vu ce qu'on a dit là ? Yotse Imo. Sortir avec lui. Donc, ce n'est pas qu'on l'accompagne jusqu'à la porte, on va le voir ici. C'est qu'on doit sortir de la maison avec lui. Et le raccompagner. Ou Yotse Bergashatova. Il va ressentir un bon sentiment. Shiachen, qu'en effet, Behemet Samchou Likrato et Avoto. Qu'effectivement, ils ont été contents de l'avoir. Et ils l'ont aimé véritablement. Atzad Hasheni Anistar chez Belivoui, maintenant, la dimension cachée qu'il y a dans leur accompagnement. Chez Yashbo, Kemin Segula, qui serait une sorte de secret, l'Ishmira Baderech, de protection pour la route. Vechen Katava Smak, le Smak a ainsi écrit. Bouré, viens voir. Kama Gedola Kocha Shel Mitzvat Livoui Aurear. Combien est grande la force de la mitzvah de raccompagner l'invité. Chez Echad Amelave, que ce soit du point de vue de celui qui accompagne, Ve Echad Amitlave, ou du point de vue de celui qui est raccompagné, Enam Nizokim Kolayom ne connaîtront pas de dommages tout au long de la journée. Ve Av chez Kaché Lasbir, et bien qu'il soit difficile d'expliquer, ou l'Ochiach et de prouver, Inyanim Nistarim, les sujets qui sont généralement cachés, Mikon Makom néanmoins, Nenasé Levaer, tentons d'expliquer, mais attends un petit peu, est assez goula chez Balivouille, le secret qui se cache dans le raccompagnement de l'invité. Bechol derer yeshna sakana. Il faut comprendre que dans chaque chemin, chaque voyage, chaque déplacement, il y a toujours un danger. Tivon shela adam, shiuchai betor misgeret kidatit. La nature d'un homme veut qu'un homme vive dans un cadre communautaire. Un homme, il a besoin de ça. Betor misgeret zo, et à travers ce cadre-là, ou Mugan, il est protégé, Mibechina Rouhanit ou Masit, du point de vue, on va dire Rouhanit spirituel, psychologique et pratique. Donc un homme, il a besoin de vivre dans une société, dans un cadre. Bimkomat Ayishuv, Yeshparot Mirchelim, dans des zones d'habitation, on le sait, il y a moins d'obstacles. Ashivilim, Nochimioter, les sentiers, ils sont plus confortables, plus faciles.
Imecha Novel, et s'il s'avère qu'un homme tombe, Miyad Yemi Shiazor Lo Lakum, il y aura tout de suite quelqu'un qui viendra le secourir. Va Metziut Amamashit Azo, Matima Gam le Metziut Aruchanit. Et cette réalité concrète correspond aussi à la réalité spirituelle. Ça, c'est du point de vue physique. Mais même du point de vue moral, mental plutôt, et ben ça marche aussi. Chez Bemakom Ayishuv, que dans un endroit d'habitation, il y a du monde, à Mazikim et Namsholtim, les forces négatives n'ont pas d'emprise. Vechaasher Adam Poresh Mitoch Hamakom Ameyushav, et lorsqu'un homme se retire d'un endroit habité, Veolech Levado Bimkomot chez Mirchut et Yishuv, et qu'il part seul dans des endroits non habité, ou naaseh boded, il se retrouve seul, venershaf le chol mine sakanot, et il s'expose à toutes sortes de dangers. Keshem shadrei chasma pachot betucha, et de la même façon que le chemin lui-même est moins sûr, kargam matzavo anafshi varuchani bioto levado raoua yoter. Ainsi, sa condition mentale et spirituelle, bioto levado du fait d'être seul, raoua yoter est plus instable. De la reine, c'est ainsi. Lorsque l'hôte accompagne l'invité, et qu'il commence la route avec lui, ça veut dire que par cet accompagnement, il s'associe à lui, et c'est comme s'il lui disait, que cet invité qui part maintenant seul, finalement, il n'est pas seul. Anito, je suis avec lui. Ou basé, et c'est cela où Magen alors derrière qui va créer une protection lorsque cet homme-là il va partir en chemin. Tsarich les lavot est à Oreach. Il faut accompagner l'invité Arba Amot, donc c'est 4 Amot. On sait qu'une Ama c'est 49 cm, donc c'est un demi-mètre. Donc Arba Amot c'est 2 mètres. Au moins marcher avec l'autre 2 mètres, Michout Sirchoto en dehors de sa propriété. Donc on sort de la maison, minimum 2 mètres. Shem Be'erech Arba'a Tsa'adim, cela équivaut à peu près à 4 pas. Urcha Derer Lo Berura, mais lorsque le chemin n'est pas clair, Ve'efchar Litot Ba, et que la personne peut se tromper de route, Tsarich Le'lavot Yoter, il faut l'accompagner davantage. Kede La'amido Ala Kivun Anachon, pour le mettre dans la bonne direction. Ou Be'derer Shi'imamash Mesukenet, et dans un chemin qui est véritablement dangereux, Tsarich le lavot arbeyoter, il faut l'accompagner encore plus loin. Shelo yechashash, shema oreach yitrib darko vistaken. De peur que cet invité se trompe, parce que moi je le connais, chemin. C'est chez moi ici, c'est mon quartier. De peur que cet invité se trompe et se mette en danger.